Alors, niveau parcours, je suis née à Madagascar, j'ai grandi en France, à Marseille. Mes parents sont chrétiens, mon père protestant, ma mère catholique. Et cette sorte de dualité, en fait, a suscité beaucoup de questions chez moi, mais aussi chez eux. Et finalement, c'est auprès de la communauté malgache et de la communauté, en fait, française que beaucoup de choses, en fait, ont eu lieu, des rencontres avec des jeunes, avec des moins jeunes aussi. Et ce qui a été déterminant, je pense, dedans, ça a été l'approche en fait d'un pasteur, celui de Marseille justement à l'époque, qui recherchait quelqu'un pour l'accompagner pour le catéchisme, pour transmettre en fait aux jeunes la foi, mais aussi pour les accompagner. Et c'est quelque chose en fait qui m'a animée, qui a fait grandir quelque chose en moi, une sorte de feu sacré justement en fait. Et moi aussi, j'ai eu envie d'être en fait d'une certaine manière à cette suite-là et d'être dans le service.